Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va voir comment insérer une image dans son mail, même si on l'a déjà vu. Mais ici, c'est différent. C'est simplement que si tu n'as pas d'hébergeur, tu as besoin d'un lien. Donc, si tu n'as pas d'hébergeur, si tu n'as pas de site ou si tu n'as pas de blog, tu peux très bien créer un lien pour ton image et qu'elle soit dans le corps, le message de ton texte, que ça soit pour tes newsletters, tes campagnes, tes emails, peu importe, eh bien, nous pouvons créer un lien pour une image et tout ceci en même pas 2 minutes et gratuitement. Alors, tu trouveras bien sûr le lien dans le descriptif en dessous de cette vidéo, tout simplement, où tu pourras aller te créer à tout va des liens pour tes images à insérer dans tes emails. N'oublie pas que d'avoir une image dans tes emails augmente le taux de conversion. Ça fait toujours plaisir d'avoir des mails un petit peu habillés quand on reçoit des petits messages, tout simplement. Voilà, alors pour ceci, on va aller simplement sur un site qui s'appelle Noël Shrek, tout simplement. Oui, c'est pas Noël, je te l'accorde. Mais nous allons utiliser celui-ci qui est très bien et très rapide et très facile. Pour ceci, tu vas cliquer simplement depuis ton ordinateur. Tu vas sélectionner bien sûr un dossier, une image. Je vais sélectionner une image comme ceci. Voilà. Donc ici, on voit que j'ai mon image qui est apparue. Tu peux très bien en rajouter 3 autres, ce qui te fera 4 images où tu auras les 4 liens directement. Tu peux rajouter aussi un code HTML sur ton site, mais alors pour ceci, tu as 2 options. Soit tu cliques ici, tu as les liens, ou soit tu veux voir tous les liens aussi, ce sont exactement les mêmes. Donc si je clique ici, tu vois que tu as le lien pour le chat, le lien pour le forum, le lien pour le blog et le lien URL tout simplement. Donc il suffit simplement de cliquer dessus, sélectionner, tu fais un petit copier tout simplement, d'accord? Ici je vais refermer pour te montrer simplement l'autre. Ici tu peux aussi cliquer sur voir tous les liens et ici tu vois tous les liens. Donc ici c'est pour le chat, pour le forum, le code HTML pour tes sites et blogs et vu que tu n'as pas de site ou de blog peut-être et pas d'hébergeur, eh bien voici le lien que tu as besoin pour pouvoir intégrer ton image à ton email. Alors on fait aussi un petit copier tout simplement, même si je l'avais déjà fait. Je retourne sur mon email et ici j'ai envie de mettre tout simplement en pied de page mon image. Donc j'ai sélectionné en bas, je vais remonter et je vais cliquer sur le petit onglet image. Ici je vais cliquer sur l'URL, je colle tout simplement mon URL, je fais OK comme ceci. On voit que j'ai mon image qui est un peu grande, hein, comme ceci. Donc si je reviens, je reclique dessus, je vais pouvoir modifier les dimensions. D'abord, je sélectionne mon image, voilà. Alors ici, si tu désires simplement changer soit la largeur, soit la hauteur, tu ouvres ton cadenas. Si tu désires changer la hauteur et que ça change directement la largeur ou vice-versa, eh bien, tu laisses ton cadenas fermé, tout simplement. Là, c'est le cas. Je vais laisser faire la largeur venir directement en automatique une fois que j'ai changé la hauteur. Donc, je vais changer la hauteur. Je vais mettre 150. On voit que la largeur a diminué aussi automatiquement. Je vais faire OK et on voit que j'ai bien mon image en pied de page dans mon email. Bien sûr, j'aurai mon petit message. Ici, je peux très bien me l'envoyer en test. Donc, on va patienter quelques minutes. Donc, ceci, c'est très pratique. C'est un logiciel qui est très pratique pour pouvoir eh bien, intégrer des images à vos emails sans que vous ayez besoin de votre hébergeur, de votre site, de votre blog pour avoir le lien de votre image. Et ça vous prend même pas 2 minutes. Alors, on va aller sur notre boîte mail. Le message est arrivé. Je vais faire afficher bien sûr les images et je vais descendre et voici l'image que nous venons d'intégrer à notre email tout simplement. Donc vous voyez, c'est très simple. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Quant à nous, on se retrouve dans un prochain tuto. À bientôt les amis.